Zev a tenté d'apporter les meilleures solutions à l'agglomération de Chambéry pour son agglomération et ses habitants. Transdev aujourd'hui, c'est presque une passion savoyarde à 100%. Vous le savez, nous sommes présents à Chamonix, on est présents sur l'ensemble du massif des Trois-Vallées. Notre enjeu aujourd'hui, on est également présent à Évian, et notre enjeu, c'était l'idée de se dire que à Chambéry, il remettait en jeu l'ensemble de sa desserte. On a voulu offrir la meilleure des qualités de service, et je veux croire, puisque désormais les élus ont délibéré, que l'offre que nous avons proposée aux élus, et notamment à Monsieur Repentin, a fait la différence. Et donc c'est une grande fierté pour Transdev de réexploiter Chambéry, puisque Transdev était déjà présent sur ce territoire. C'est pour nous une reconquête, et une reconquête savoyarde qui nous tenait à cœur. Je crois que toutes les équipes ont travaillé, si je veux dire d'abord, en confiance, et c'est un réseau qu'on sera ravis de réexploiter dans les prochaines semaines. Transdev aujourd'hui en France, c'est 32 000 personnes qui tous les jours travaillent au quotidien pour nos concitoyens. C'est 1 million de scolaires qui sont transportés tous les jours dans nos bus, dans nos cars, demain dans nos trains. C'est une société de délégation de services publics qui travaille dans un esprit au service des collectivités.